Aux environs de 8h25, 8h30, la victime se rendait à son travail puisqu'elle est employée municipale. Elle était attendue visiblement par un individu revêtu d'un casque intégral de moto qui lui a tiré dessus au moins à 3 reprises, qui l'a atteinte mortellement au thorax et à la tête. Et la victime est décédée quasiment sur le coup. La victime était connue des services de police, effectivement. C'est quelqu'un fiché au grand banditisme, connu pour du banditisme classique, on va dire. Je suis vite allée à la fenêtre parce que je pensais que c'était des gens qui tiraient des pigeons comme ils ont l'habitude de faire. Et après, j'ai regardé en l'air. Et au quatrième coup de feu, j'ai regardé en bas et j'ai vu le monsieur qui était debout encore. Il est tombé. Et après, j'ai plus rien vu. Et je suis rentrée vite et il était en sang.